Les hyènes. Kali 7 doit être à l'intérieur. Entrer ici, où le silence est de rigueur pour elle. Un Medjay qui a gravi bien des dunes pour te trouver. Tu peux te cacher, Yen, mais ce tombeau ne te protégera pas. Je t'ordonne de t'arrêter. Si tu fais demi-tour, ton intrusion te sera pardonnée. Il n'y aura pas de pardon pour Siwa. Pauvre idiot, je suis Izek, maîtresse de la magie. Ce lieu est la demeure des dieux. Quel mauvais tour est-elle en train de préparer? Va-t'en ! Nul ne doit déranger Osiris ! Cette porte piégée, qu'est-ce qu'elle protège ? Mécréant ! Celui qui est éveillé dort ! Si tu fais encore un pas, ton sang irriguera ces plaines arides ! Quel est cet endroit? Un tombeau en dessous d'un autre. C'est ici que tu te caches, Yen?
quelle horrible folie s'est-on livré ici? Dans ce lieu obscur ouvert au regard des dieux, quel genre de rite peut-elle exécuter? Des offrandes à Osiris, le protecteur des morts. Ce sarcophage est décoré de déesses de la mer. Il est couvert de symboles étranges. C'est Calicette qui a tracé ces symboles. Essayait-elle d'en découvrir le sens? Encore chaud. Et ce couteau cérémoniel. Un sacrifice. Je crois avoir compris ce que Calicette cherche à faire ici. Calicette exécutait un rite. Ses premières offrandes étaient adressées à Osiris. Elle a sacrifié ses prisonniers à l'aide d'un couteau. Elle a récupéré leur sang pour ses sombres desseins. Elle a essayé d'apprendre ces étranges symboles. Elle a dû les trouver dans cette salle. Dès qu'elle a appris les symboles, elle les a gravés ici, et elle a fait une dernière prière au-dessus du sarcophage. Calicette devait sûrement tenter de ramener quelqu'un à la vie. Mais qui est enterré ici? Un enfant. Mon enfant! Tu as perdu ton enfant? Non! Son repos n'est que temporaire. Tu es intervenu dans sa renaissance. Et pourtant, tu as rejoint l'ordre! Ravagez ce tombeau! Calicette! Ne prononce pas mon nom! Mon nom ne peut franchir les lèvres de celui qui l'a déshonoré! Je suis une bonne mère. Aya! Tu ne peux rien contre moi, chien! Tu n'es pas différent de ceux qui t'ont précédé ici. Viens, affronte-moi si tu y tiens tant. Ton sang servira à la résurrection de ma fille. Je t'enterrerai dans le sable. Maintenant, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent le tombeau de ma fille. Cherche à accomplir l'impossible, Calicette. Aucune magie n'est capable de nous rendre nos enfants. Ah!
fille me sera rendue grâce au pouvoir de ceux qui étaient là avant. Seuls les dieux étaient là avant. Certains sont venus entre les dieux et nous. C'est leur cadeau. Sans mon échec à mes côtés. Sois heureux. Ton sang aidera à la ramener. Ta fille est morte, Kalitek. Rien ne te la rendra. Rien. Je sauverai ma fille, quel qu'en soit le prix. Maintenant, je t'ai assez entendu. Alors mon arme parlera pour moi. Vais-je marcher parmi les morts ? Une fin juste. Tu as profané les morts. Et aidé ceux qui ont tué mon fils. Tout ça par pur égoïsme. Non ! J'ai rassemblé de la silice pour eux. Elle a animé la pierre magique de ceux qui étaient là avant. Tu l'as vu, n'est-ce pas ? Il fallait t'en apprendre les symboles. Elle ne nous est pas destinée ! C'est sans importance maintenant. J'ai voulu protéger ma fille dans la vie et dans la mort. Chaque fois, j'ai échoué. Osiris ! Accorde-moi ces retrouvailles ! Elle marche seule dans les champs de roseaux. Fais gérer à jamais dans la douate ! Je veux retrouver ma fille ! Pitié ! Puisses-tu retrouver ta fille dans l'autre monde, Kalitek. Puisse le Seigneur de la Douate te guider.